Bienvenue sur Télé-Pacifique, ou à suivre point par point, j'en ai toujours dit, émission ça, c'est côté, nous parler de tout ça qui regardait le pays d'Haïti, tout ça qui regardait la communauté haïtienne. Aujourd'hui, on a parlé de éducation. Système l'école dans le pays d'Haïti, c'est un dossier qui est chargé à problème. Nous c'est chaque jour, on attend dans la radio, on regarde dans la télévision, on lit dans le journal qui va les revendications tout le monde qui est dans le système ça. Gagnent qui ces professeurs qui a demandé pour yo payer yo reste l'argent yo doué yo pour certains depuis plusieurs années qui ces questions programme l'école gratis psugo qui semblait pas marcher trop bien qui ces l'autre revendication acteurs dans système yo toujours apporté devant l'État au-delà de revendication ça yo gagnent système nan lui-même Jean Montea qui chargé avec contradiction qui empêchait nous gagner l'école qui efficace. L'école bolette son réalité, question problème qui gagne dans le système évaluation son l'autre problème. Nous connaissons baccalauréat, c'est un échec total capital, malgré réforme y a essayé faire passer main. Mais jusqu'à présent, on dirait bagayo pas qu'on marche, Jean pour ta marché. Bon question gros l'école, ti l'école. Bon question l'école à plusieurs vitesses, ça fait non pas qu'on est qui qualité moun n'a formé, qui niveau formation n'a bay citoyen yo. L'école, en plus de tout ça, n'a dit là, pas accessible à tout le monde. Il y a un pile de haïtiens qui pas à l'école. Et quantité d'élèves qui ont abandonné l'école, c'est un chiffre qui peut-être, même si pas une étude qui fait sous lui, mais quand même son gros chiffre parce que son réalité n'a vive chaque jour dans le pays d'Haïti. Sous question l'école, qui cher en pile élève pas calé a gagné yon loi qui c'est loi sur frais scolaires yo té voté depuis en 2009 mais c'est année ça yo publié dans journal officiel le moniteur nou kawe qui bataille qui gagné par rapport à causer l'école là qui lutte d'influence qui enjeu qui gagné dans tout ça si on loi voté en 2009 nous c'est jodi a yo réussi publié donc faut que nous comprenne gagne de gros intérêt y a discuté. En tout cas, c'est un sujet qui est important, nous tout nous rendons compte de ça. Nous allons parler de ça aujourd'hui et nous gars avec nous pour nous faire ça député Jacques Mel qui est Jean-Philippe qui c'est président commission éducation dans chambre là n'a pas un petit pause tout court n'a tourner tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous pour suivre point par point sur Télé-Pacifique. Jeudi, nous allons parler de système éducatif haïtien, dossier l'école, un dossier qui intéresse tout le monde. Parce que l'école, je toujours dit, c'est lui-même qui fait au monde salier, c'est lui qui définit le monde. Hein? Et nous allons jeune tout ça à l'école avec invité nous, qui est Jean-Philippe, député Jacques Mella, et dans le développement qui va aller plus loin pour dire nous. Qui ça l'école représente et nous espérons ça. Kitel Jean-Philippe, c'est avec plaisir de vous recevoir dans le PowerPoint aujourd'hui. Je salue Kendi Zidor, je salue tous les téléspectateurs et Télé-Pacifique, tous les téléspectateurs pour PowerPoint. Et c'est un plaisir pour moi participer dans l'émission ça. Et d'autant plus pour parler d'un sujet qui intéresse, qui c'est la question d'éducation. Et effectivement, l'école, c'est une institution assez importante dans la construction de toute société. Mm-hmm. Et l'homme, c'est seul parmi tous les animaux qui gagne une aptitude, une capacité et pour les éduquer. C'est le seul animal éducable, c'est lui-même qui gagne une capacité. Ça, et bien, ensemble des valeurs morales, sociales, y accumulées dans la société, là, et ainsi que l'institution, ça a nourri l'école, là, qui va le construire, ça lié comme être, qui va le construire, être lié, qui va le construire. Et devenir, qui va le fait que c'est un sujet, c'est un citoyen qui est utile à la communauté, qui va répondre à tous les besoins de la communauté, et qui va montrer que la communauté a tout, est capable de développer, et c'est à partir de l'école, c'est à partir de formation que nous avons, Timonio, Genio, et qui va le faire que nous avons des citoyens. Mm-hmm. Alors, chaque société, quand j'en définis, parce que ou pas capable de percevoir l'école comme un bagage ou fait par tâtonnement ou bien par hasard, c'est une institution qui planifie, qui construit
et qui définit tout en fonction de un projet de société et qui dit mais quel type de citoyen nous gagne. Donc mm-hmm. l'école c'est côté formaté, si n'est capable d'utiliser mm-hmm. un langage qui est plus ou moins moderne, mm-hmm. citoyen yo, construit citoyen yo. Parce que citoyen pas un hasard, c'est pas un fil du hasard. Ouais, moun, ou pour le monde et comportement moun yo pas gagne un instant cap dit qui gens pour définir. C'est sûr que gagne doit gagner de des monde qui en révolte par rapport avec normes et principes établis mm-hmm. par le corps social. Mm-hmm. Mais cependant, il y a une vision, il y a un plan, un projet de société, un schéma évidemment, il dit mais qui gens citoyens doivent construire et mais qui gens le corps social par le construire. Mm-hmm. Donc nous capables nous-mêmes nous sommes un peuple qui hérité d'un système esclavagiste qui gagne de tabous bien de obstacles que nous devons surmonter et qui doit et permettre que comment on est capable de construire l'être haïtien, le sujet haïtien par rapport à, et à notre passé d'esclavage, d'esclaves, si on t'a dit comme ça. Donc nous devons, est-ce que haïtien libéré pour construire pleinement et l'être haïtien, est-ce que nous sommes conscients de toutes ces séquelles, est-ce que nous dépassons et donc pour nous construire ça, nous être nous, et c'est en construisant l'être haïtien, le sujet haïtien, qui nous parle arriver construire les corps social, les mm-hmm. côtés collectifs de et qui parle dire mais qui société. Alors qui est Jean-Philippe fait philosophie, mais qui fait philosophie yo qu'on développer yo abondant beaucoup même pose aux questions non baron non mais quand même question était là que c'est pour moi-même quand ça l'écolier ouais, comment comprendre ça uh-huh. Donc je pensais que il est important pour nous garder institution scolaire mais garder l'institution scolaire qui a formé des citoyens pour la société, pour l'école sociale, et puis regarder tout comment on doit planifier l'école. Donc, mm-hmm. Ou bien dit, nous allons parler du système éducatif haïtien qui a un pile problème, et qui sont systèmes qui, peut-être que malheureusement, pas tellement et bien marché dans le mm-hmm. système. Non? Donc, mm-hmm. c'est qui sont systèmes qui méritent réviser, qui méritent regarder et refaire, si on a dit comme ça, parce que. Et le problème social qu'on a confronté, le problème institutionnel qu'on a confronté, le problème politique qu'on a gagné, l'instabilité qu'on a gagné, c'est parce que nous faisons une mauvaise gestion du rapport nous comme peuple avec l'environnement mm-hmm. et parce que nous faisons une mauvaise gestion de ça nous gagne comme capacité intellectuelle, c'est parce que nous n'avons pas mesuré la potentialité qu'on a gagné au niveau du pays. Mais c'est l'école qui est capable de permettre que nous planifions et nous construisons la société haïtienne qui nous a mais bien. L'école haïtienne ni non kafou nous t'a dit qui est particulièrement difficile si nous avons considéré qu'il y a deux départements nous t'a dit oui deux départements et le sud de la Grand'Anse qui se prend gros frappe après ouragan Matthew et jusqu'à présent l'école là pas co recommencer Jean Lité alors immédiatement après cyclone Matthew moi-même comme président de commission éducation dans la chambre des députés moi, j'ai fait un devoir qui est de faire une journée de travail, une grosse séance de travail avec le ministre et directeur départemental qui est sorti dans tout département qui était touché par cyclone Matthew pour nous non seulement faire une évaluation mm-hmm. et demander au ministère pour aller vite, mais garder l'évaluation qui pourra le faire tout dans l'examen baccalauréat. Disposition des points, c'est qu'il pourra gagner un programme accéléré qui pourra le faire. C'était ça, nous attendons avec le ministre de l'Éducation nationale là. Et tout est gagné. Normalement, l'évaluation doit tenir compte de ça, du mm-hmm. nombre de jours de classe qui manquaient. Parce qu'en Haïti, nous n'avons pas gagné 200 jours de classe comme standard, nous avons moins que 200 jours. Et tout autre pays qui est dans la région, ça a gagné 200 jours et plus. Donc, nous pensons que 11 jours de classe, ils ont ensemble des bagages intellectuels gênants de apprendre, qui malheureusement le perdent. Et nous-mêmes en Haïti, nous avons un paquet de réalités, un paquet d'éléments qui ont. Justifier qu'il n'y ait pas gagné l'école, soit un événement politique, soit en manifestation, soit une catastrophe naturelle. Mais il y a des dispositions qui prend par rapport à département qui était touché, non seulement pour un programme accéléré, et en plus pour le ministère tenir compte de dérangements que tu gagnes au niveau de programme, au niveau du nombre de jours de classe qui est supposé gagner dans le département qui était touché par cyclone Matthew. Mais l'information moins disposée, c'est que l'école le reprend. Malgré qu'il y ait des difficultés pour fonctionner normalement, j'ai arrêté de fonctionner par avant. Mais nous, tellement qu'on système qui a un problème, qui tel, nous presque pas qu'on qui côté pour nous commencer par rapport à tout dossier brûlant
qui gagnent dans la question éducation, qui c'est étudiant économique qui a demandé pour nos meilleurs, psychos, professeurs qui a demandé pour nous toucher. Donc c'est son système qui a fonctionné ce problème même. Avant même pour un problème ponctuel, il faut regarder le système sur le plan structurel. Mm-hmm. Alors c'est un système qui a un problème et qui nous réforme. Nous avons réformé le système éducatif là à partir du travail professeur Bena et fait qui m'a dit qu'il faut moderniser le système. Non? Parce que est-ce que. Mais ce système, son réforme que nous pas commencé. Non, de toute façon, nous la donne à tel point, nous pas arriver peut-être garder ça, il y a un nouveau secondaire quand même. Il y a une expérience pilote et que le ministère arrive dans la logique là pour généraliser la question du nouveau secondaire. Donc, nous pas garder lui. Alors, ça me devait dire, c'est que moderniser le système, non, c'est quitter. Et système traditionnel là, côté que nous non seulement changer approche pédagogique, matériel didactique qui est supposé disponible, mais son approche côté que nous utilisons l'environnement et nous rendons que, et j'aime le dire tout à l'heure, jeunes sont aptes à maîtriser l'environnement et à utiliser le gain pour servir la communauté. Nous avons un système qui est très théorique, côté que sans laboratoire, des fois sans bibliothèque, sans livre, sans rien. Et nous avons, j'en ai dit dans l'introduction, des bonnes écoles, des écoles qui paraissent pour un standard. Bon, je voulais dire l'école Bolette parce que c'est malheureux. Dans le jeudi à 21e siècle, on a parlé des jeunes haïtiens qui ont l'école Bolette, c'est-à-dire ont l'école qui paraît pour un critère. Donc là encore, c'est l'État qui faillit à missionner, à responsabilité. Ce n'est pas qu'il me paie réalité, mais c'est malheureux qu'on n'a pas traité une question pour dire que l'école sont l'école Bolette. Donc, et la constitution haïtienne fait obligation à l'État pour les faire les tests formation fondamentale de tout le monde. L'article 32-1 de la constitution exige l'État haïtien et que l'éducation fondamentale est obligatoire. Et nous parlons que l'État possédait seulement 15% de l'école en termes de bâtiments et 25% en termes de quantité d'effectifs d'élèves. Donc l'État n'a pas contrôlé le système, non? Et sont l'école qui peut aller sous plusieurs catégories de l'école ici. Et moi-même, ça qui est important pour nous. Et même Jean, l'OPL dit, moi-même, sorti de l'OPL, nous devons l'école républicaine. On l'école républicaine, côté une seule éducation qui baille. Nous ne devons pas former plusieurs citoyens. Nous devons former un seul citoyen pour une seule société. Oui. Donc par rapport à ça, l'école non seulement est accessible, mais elle est planifiée par rapport à un programme et que nous devons des maîtres. Parce que c'est des problèmes véritables. Non seulement de accessible, mais de des maîtres et de des matériels appropriés par rapport à besoin et type de citoyens que nous voulons former la société là, qui répondent à critères. Donc par rapport à ça, au niveau de l'organisation système éducatif, là, il y a un problème. Et non seulement il y a un problème, et par rapport avec les gens qui ont enseigné petit New York, ce n'est pas des gens qui sont qualifiés, qui répondent, qui ont de performances adéquates. Et le ministère n'a pas fait recyclage, il n'a pas connu niveau performance pour nous, il n'a pas connu qui j'ai progressé, alors que le monde n'a pas avancé. Manuel nous, est-ce qu'il est adapté par rapport à besoin nous? Qui bon manuel scolaire sorti? Et qui m'a passé une petite nous? Et qui j'ai environnement enseignement apprentissage là? C'est des problèmes qui sont véritables, est-ce que le ministère a contrôlé? Si nous avons l'école de l'État, c'est dans le temps qui était l'école de référence, mais je vous dis, c'est l'école qui n'a plus mauvais. Aux États. Et moi, je suis interpellé d'autant plus parce que je fais études dans l'école nationale, Charles Moravia Jacmel, et dans le lycée Péchina, et je suis passé dans l'école publique, donc je connais en réalité l'école publique là. Et jusqu'à présent, je suis enseigné au niveau du lycée Péchina. Ouais, que l'enseignement qui a balal, il laisse à désirer, c'est pas un enseignement qui est de qualité. Ok, mais face à tout problème ça, qui existait et qui est tel, est-ce que nous avons dossier non avancé sous les temps. Il faut que nous précisions où tu es président commission éducation depuis l'année dernière et où tu es reconduit dans cette même commission. Ça. Est-ce que nous avons un ensemble de dossiers où dit bon nous ne faisons pas? Alors, avant même de dire si il y a une progression, mais ça me dit en train de faire année en bas, l'année prochaine en fait, c'est déclarer ça nous le mois de l'éducation. Nous avons un mois pour nous réfléchir, faire débat, rencontrer à tout le monde sur la question de l'éducation. Parce que nous sommes des toiboïs dans le système éducatif. Là. Il n'y a pas de contrôle vraiment et il n'y a pas de sénés. Mais est-ce que nous progressons? Et nous sommes capables de dire si nous faisons progrès au niveau de quantité. Il y a plus de monde qui est à l'école, parce que plus, dans le temps, il y a plus qui ne peuvent pas aller. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'école, il n'y a plus accessible. Maintenant, tout le monde qui est à l'école, il n'est pas possible pour tout le monde à l'école. Maintenant, l'accessibilité a plus ou moins commencé à améliorer.
Maintenant, qualité, là, pourquoi pas est-ce que nous évaluer. Est-ce qu'il y a un chiffre pour montrer que quantité, et, est-ce qu'il y a un chiffre fiable? Est-ce que c'est pas bon, évidemment, que mon avoué en l'air juste évidemment, pour évidemment. Un programme monté? Évidemment. Non, non, mais c'est pas un thème de programme. Nous, sur le terrain, nous, elle. Non, et malheureusement, IHSI n'a pas gagné d'études de fait vraiment pour montrer ça. Et, mais cependant, et par rapport avec présence et des constats, nous avons dit non. Empirique. Oui, de façon empirique, malheureusement. Et nous avons constaté qu'il y a plus de monde qui est à l'école par rapport avec l'année antérieure. Mais cependant, nous avons dit l'été pour nous analyser et contenu. Enseignement et apprentissage, enseignement qui a fait. Bon, sous question contenu, on ne va pas être comme débat, non pas trop avancé. Non, non, c'est évidemment. Alors, ce qu'on va dire, c'est que le système n'est pas malade dans tout sens. Tu as l'air de prendre question professeur. Par exemple, des professeurs qui ont demandé pour payer, ou bien qui ont dit salaire au pays, n'est pas suffisant. Je dis, nous avons environ 2700 à 3000 professeurs. Qui dans le système qui a l'aide de nomination, mais qui n'est pas budgétisé depuis 3-4 ans. Mm-hmm. Depuis son ministre Vanner Pierre, mm-hmm. son ministre Vanner, il y a un professeur qui est nommé, l'aide de Méo, et il y a là-dedans, l'aide de enregistré au niveau des ressources humaines dans le ministère de l'Éducation nationale. Par rapport à ça, là, nous faisons du travail. Le travail nous fait, c'est que une délégation, chambre des députés, moi-même, je suis là tout, qui rencontrait avec le Premier ministre. Yannick Jean-Charles qui a rencontré avec Miss Éducation en même temps, qui a regardé qui j'ai sorti dans le problème. Professeur Sayo, tu as une tendance pour te payer un mois ou bien trois mois. Mais après ça, qui va le faire payer encore. Premier ministre Yannick Jean-Charles, tu as une garantie, il a fait effort dans le mois de janvier hein, pour commencer à payer les professeurs qui ne sont pas budgétisés. Ressources humaines travaillent sur tout le dossier Sayo, et après, il me souhaitait que nous te prenions un mot, et moi, on a fait le mois de janvier. Hein, pour nous toucher. Parce que c'est un crime, leur bon citoyen, qui a une responsabilité familiale, qui a une madame, qui a une petite, chaque jour, il faut le sortir, et leur professeur, faut offrir, faut habiller bien, parce que c'est modèle élève. Et l'élève, tu as toujours aimé, même avec le professeur, même avec le maître. Là. Mais si le maître là, vient, je vais craser devant le professeur, avec talon sous l'île, déchiré en bas, mm-hmm. pas talon déchiré quand même, et l'élève là, et le professeur a un signal de misère. De misère. Bye, l'élève là. Et là encore, pour l'élève apprendre dans main, il faut le sentir dans l'environnement, il faut le sentir confortable, il faut l'inspirer aux confiances, il faut le d'accord avec le professeur. Okay, mais si nous avons un problème, ça a tellement de problèmes. Attendez, je vais arriver là. Par rapport à ça, nous avons 2700 environ 3000 qui n'ont pas budgétisé. Nous avons 2500 qui sont dans la classe qui n'ont pas gagné l'aide, qui n'ont pas budgétisé. Ça veut dire que nous avons environ 6000 à 7000 personnes pour le système de régulariser. Et moi-même, pour que il y ait des bureaux de recrutement qui ouvrent. Chaque décision départementale, on gêne ou gain qualification, ou soit dans l'école normale, là ça a pris en considération pour vous par rapport à l'école normale supérieure ou bien à l'INI, ou il faut entrer dans le système, mais bon, côté dossier à venir. Ce n'est pas moi-même comme député qui a parlé au ministre ou au premier ministre pour demander et prendre jeune ça lorsqu'il est sur l'école normale, il est qualifié, il dit lui-même lui enseigner, mm-hmm. et bon côté qui évalue, qui dit mon cher, il est capable. Donc, dans le cadre de modernisation et avancement, et la commission d'éducation pour sa responsabilité, pour faire en sorte que les gens qui rentrent dans le système, c'est des gens qui évaluent et l'État qui contrôle le monde. Ce n'est pas parce que l'autorité politique a demandé faut nommer ou nommer, mais on ne sait pas qui a un budget pour payer les gens. C'est ça, c'est ce qu'on a gagné. Mais est-ce que dans le système, là, même pas de fuite, on dirait problème ça, non pas qu'on jamais avancé sur lui, alors qu'il a posé depuis quelques temps. Non, mais alors, mais ça passe. Chaque ministre a toujours annoncé ses dispositions. Non, il y a des demandes. Il y a des demandes par rapport avec moi avec qui gagne dans le système. Là. Mm-hmm. C'est-à-dire, on ne fera pas répondre à des demandes. On l'école ouvre, soit une décision politique. Par exemple, moi-même, comme député, il y a des sections communales qui n'ont pas l'école nationale. Mm-hmm. Maintenant, qui sa population dit, député, il faut abandonner l'école nationale parce que faut peut-être aller à l'école. Mm-hmm. Nous, mais démarche là, où il y a une autorité qui concerne, l'école a ouvert. Mais elle a ouvert, le besoin de professeurs. Mm-hmm. Et, mis à part de l'école qui a augmenté, il y a un bon professeur qui a déplacé dans le pays. Soit des gens qui déçus ou bien des gens qui ont voyagé parce qu'ils pensaient qu'ils allaient nous mieux être de l'autre côté. Mais les gens qui ont déplacé tout, 3 ans après, 4 ans après, le chèque est sorti parce qu'ils ont payé par virement. Chèque qui a sorti, donc le système n'est pas pareil. Mais est-ce que le ministère de l'Éducation nationale par un système de gestion de ressources humaines? Actuellement, le ministère a une démarche qui a fait pour corriger ça.
Et c'est sous demande de la commission d'éducation qui exigeait que y ait un contrôle. Parce que l'information est au niveau du ministère des Finances. Et nous avons environ 28 000 professeurs dans le système. Mais tu as fait comprendre qu'il y a presque 10 000 qui peuvent travailler. Soit qui bat l'autre monde qui est pour aller oui. faire leur job, oui. ou bien qui voyager pendant longtemps, et puis qui part jamais retourner, puis chaque cap sorti. Donc nous-mêmes, nous battons nos promotions, rapport par le jeune et population pas longtemps, sous travail ça, et qui mais qui ça, qui fait, et par contre, monde qui a vu demander pour que un monde qui a abandonné salle de classe, qui partit à l'étranger, qui fait 4 ans dans le bon, il fait un choix. Parce qu'il y a un monde qui a demandé pour qu'il y ait un monde dans le système. Moi, je m'apprête là pour m'accompagner aux autorités concernées. Et pour moi, il était fait dans la santé déjà. Il était jeune environ 5 000 personnes dans la santé qui ne parlent pas. Mais après ça, c'est des autorités. Oui. Des autorités qui relaient des parlementaires ou bien des autres monde dans l'État. Qui relaient, qui demandaient. Est-ce que mon cher, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes qui étaient là pour nous. Vous pensez que c'est pas mais, ok, on n'est pas capable de toucher pour travailler ou pas fait. Ça, c'est qu'un clientélisme. Mais est-ce qu'au-delà de ça, il y a une mise en place qui est faite pour les gens qui ne travaillent pas sortir sous le système automatique? Non, mais quand il y a là, le ministère de l'Éducation nationale travaille sur ça avec le ministère des Finances. C'est les Finances qui vous font. Je n'ai pas besoin de toutes les informations dehors parce que je travaille là pour ne pas déranger le travail qui a fait au niveau de l'institution étatique. Mais moi-même, je t'ai demandé parce que je devais gagner contrôle ça, je suis intéressé à ça. Parce qu'un bon jeune qui voulait entrer dans le système, non? Qui m'a demandé pour entrer. Si je regarde des étudiants à l'école normale, par exemple, suivant un accord qui était gagné sous le ministre Vanneur, qui t'a demandé que je nomme automatique parce que vous-même, c'est ça, vous faites. Il y a un peu de problème pour nommer. Je fais des démarches auprès des premiers ministres. Et ce qui paraît légitime, puisque. Oui, évidemment. Avec le directeur Bera Senatus, nous accompagnons, nous, le premier ministre, le dossier des ressources humaines. Nous demandons qu'il faut nommer étudiant à l'école normale. Dès que vous faites un cycle d'études là, c'est important pour vous nommer. Donc, c'est ça des problèmes qu'il y a dans le système là, qui méritent d'approcher. Vous avez touché la question de Sugo. Sinon, la question de Sugo, pour moi, Sugo a son vaste désordre et qui est mêlé à un ensemble de corruption qui concerne ni ministère, ni monde qui est dehors et un paquet de complicité tout au niveau inspectorat. Qui fait. Moi-même, moi, trouvé le problème là. Moi, j'ai demandé au ministère des Finances. Dans la dernière année, ça, là, avant le ministre Dorson, même te demandé de camper le programme sur Goa, pour te faire un payroll spécial. C'est-à-dire, le ministère des Finances voulait enquêter, et enquêter à vérifier que l'école là, vérifier le cahier de présence, le cahier d'appel, tout le barrage net, rapport bail, l'école là existe européenne. Eh bien, manifestation, et on a dit pression politique. La RIA, parce qu'effectivement, le problème moral, lorsque nous avons deux ans, nous avons deux ans, pour empêcher de vivre là, car il n'est pas capable de payer le professeur alors qu'il est à Douéli. Situation vénérante qui s'accase. Il n'y a pas besoin de ça, on a fait, mais on a travaillé pour justifier tout le monde qui prend l'argent de l'État. Pour Psygo, l'argent qui sort dans le transfert, dans l'appel international, compatriotes qui sont à l'étranger, qui mangent comme ça, les gens savent bien pour rendre compte et on a saisi, autorité pour nous saisir, pour nous faire suivi. On a travaillé sur ça et on a commencé avec un petit dossier dans mes mains de l'école qui n'existe aucun côté. Et que mon touche Kobio, mais on travaille sur ça et mon sa rien pour rendre compte par rapport avec ça. Mais avant m'aller sur question Sugo, avant m'aller sur question Sugo, Sugo a deux problèmes. Il y a l'école privée qui est dans Sugo, l'école ça a touché déjà. Il y a un monde qui peut toucher, c'est l'école l'État qui est dans Sugo, l'école nationale ou bien l'école qui n'a pas NEC, programme de nationalisation des écoles communautaires. C'est un programme pour te nationaliser 50 écoles dans chaque département. Qui est ministre Vanneur, est initié. Et Mounsao, il seulement prend décision de nationaliser l'école. Mais Mounsao, il ne va jamais nommer. Il ne va jamais payer tout. Donc là, c'est vous-même qui n'a pas NEC, qui n'a pas NEIC pour que jamais toucher. Donc il faut qu'on fasse au niveau finance. Parce que le ministère des Finances, parce que pour NEC, pour NEIC, rentrer dans le programme Sugo. Et le ministère des Finances, lui-même, il fait comprendre que comme qu'il a, c'est comme pour payer Sugo. Et question pour NEC, pour NEIA. Le ministère a obligé de faire un argumentaire pour expliquer que mais ça va pour comme ça qui fait toucher. Donc le monde qui peut toucher dans le psycho, c'est le monde qui normalement dans le programme pour NEC, pour NEI, ou bien qui est dans le psycho au niveau de l'école publique. On va suivre par point sous Télé Pacifique, nous recevons aujourd'hui à président commission éducation dans la Chambre députée, à Kétel Jean-Philippe.
député Jacques Mel. C'est Jean-Philippe Kettel ou Kettel Jean-Philippe? C'est Kettel Jean-Philippe. Donc, recevoir pour nous parler sur tout problème qui gagnait par rapport à dossier l'école dans le pays d'Haïti et nous, qui est assez compliqué. Merci parce que vous avez prêté avec nous, Naptoune Tal. Merci parce que vous étiez avec nous sur Télé Pacifique. On va suivre point par point. Jeudi, on a parlé de éducation et on a pu recevoir Kettel Jean-Philippe, député Jacques Mel, qui est président de la commission éducation dans la Chambre. Et nous avons fait un bon tir à là, Kettel, sur tout problème qui est dans le système. Et expliquez-nous que nous avons fait fort, nous avons fait pour nous redresser les bagages dans la mesure du possible. Mais gon événement nous avons dit qui a fait là, ou bien qui fait dans le système, c'est question loi souffre scolaire là, il y a pas suspendre parler de lui et loi ça on dirait il t'a vienne changer quelque chose. C'est opinion pour. C'est ça de la supposer, mais moi je suis très sceptique par rapport avec ça. C'est bien que loi sorti parce que effectivement loi a aidé à résoudre des problèmes et surtout des problèmes qui dérangeaient le système éducatif haïtien. Moi quoi que je me dis à son bon bagage, mais cependant, je ne pas que la loi a aidé à résoudre le problème. Parce que, non seulement en Haïti, généralement, ce n'est pas problème loi, c'est problème application de la loi, certaines fois. C'est la capacité ministère pour faire la loi respecter. Premièrement, et c'est peut-être aussi conflit qu'a créé entre les syndicats parents et ministère et l'école, ou bien parents et l'école. D'abord, il faut nous garder que pour que ça loi ça vienne. Loi vienne parce que l'État n'a pas contrôle le système, non, ou bien parce que l'État n'est pas présent dans le système. Non. Ou bien ça, l'État a représenté dans le système, non, insuffisant. J'aime dire là, Constitution 87, là, amendé article 32-3, il dit que, surtout pour l'éducation fondamentale, là, l'État doit garantir et gratuitement. Oui. Même. Mais non, bah, je pense que c'est important, ou bien quitter dans la loi, et avant même de rentrer dans la forme, saluer le travail sénateur qui est bien fait, donc je pense que c'est important. Et ce n'est pas voter la loi qui est le problème. Depuis qu'il y a une loi, on peut modifier la loi à chaque instant. Je pense que c'est un bon pas, le fait qu'il y ait une législation sur la question frais scolaires, sur la question comment on doit payer l'école, et qu'on ait une contribution scolaire, ou bien frais annuels, c'est ça pour nous garder, parce que généralement, on a une grosse somme. Et par rapport à la scolarité annuelle là, et qui est très, très bas. Donc il faut regarder. Et qui ça a fait avec cette contribution scolaire? Oui. Et loi permet que, ou bien l'État définit, mais qui ça, et frais annuel là, ou bien contribution scolaire, tu as dû faire, et c'est à acheter des bagages spécifiques qui sont importants pour l'école là. Maintenant, je pense que l'école n'est pas supposée un business. C'est-à-dire qu'on peut venir acheter un service. L'école doit supposer un service social. L'aime du service social, c'est-à-dire son service communautaire côté institution qu'il a. Ce n'est pas un souci pour le faire qu'oublier, mais c'est un souci pour aider et servir la communauté. Généralement, éducation n'a pas un prix. Lorsqu'il me dit éducation n'a pas un prix, parce que soit obtenir compte de évaluation, ça on apprend nous. Pour payer, donc on est capable de payer. Mais cependant, pour l'école fonctionner bien, il faut qu'il y ait un moyen. Là, l'interpeller pour me comprendre la réalité et pour me dire que c'est là un problème d'application, l'aura toujours. Si l'école n'a pas de business, c'est-à-dire un côté pour y rentrer et c'est presque ça lié, dans le cadre économique, côté du marché libre, c'est comme si l'État va le fixer ou bien la loi fixer, ça va le mettre en conflit là avec. Entité ou institution scolaire. Le problème qui est, c'est que lorsque l'État lui-même lui fixe prix, il dit mais combien pour lui, il y a qui capacité lié qu'on est là pour lui faire respecter ça lui fait ça lui sortit comme loi. Donc par rapport à ça, puisque l'école a vu une entreprise, les besoins moyens parce que pour une éducation de qualité, pour gagner des bons professeurs. Faut payer professeur à bel coup. C'est-à-dire, si professeur qualifié, il enseigne bien, et bien maintenant, lorsque vous avez une restriction,
là pour avoir une incapacité à l'école là pour répondre par rapport à la qualité d'éducation là-bas. En ce sens, l'État doit intervenir pour subventionner l'école. Si nous voulons alléger par un ouvrier, il faut que l'école soit subventionnée et l'école ait des moyens pour qu'elle ait des standards. Si vous voulez faire, si vous voulez standardiser ou bien bon, l'école des standards ou l'école des références, donc l'État doit non seulement moi-même, ça qui est important pour moi, je me dis il y a bataille pas maintenant ou bien préoccupation, c'est que l'article 32-3 de la Constitution est appliqué. L'État est dans le programme Sugoa, peut-être que. Entendez le président Jovenel qui a fait une intervention hier soir, qui a parlé de ça, qui dit le programme de l'école gratis là, après le tourner. Je dis président, attention. Nous avons fait même brigandage qui était fait dans le Sud-Goa. Mais ça qui est important pour nous, faut d'abord la loi sur FNE aller voter dans le Sénat, parce que la Chambre des députés a été tranchée sous lui. Et les collègues sénateurs ont pensé parler très vite, parce que ça fait plusieurs fois la loi ça allait dans l'ordre du jour. Au niveau Sénat, mais malheureusement, il n'est pas Mais voté. loi, ça a limité de toute une analyse. T'as l'état, non, nous pas arriver là. Non, mais moi, je dis Peut-être où. son émission pour nous Non, taper non. sur FNE. Moi, je dis où. Le problème, ce n'est pas loi, c'est voter loi. Là, il y a un problème, corriger là, ou amender loi. Non, mais Parlement, là, t'as dit. non, mais Ça ce me qu'on dit. fait comme questionnement, tout, qui était Jean-Philippe, m'a fait remarquer que il remettait en question opportunité loi sur frais scolaires, là, parce que T'as l'État t'a l'état, dû écouter Oui, le système, non? pas un problème, mais ça me dit où. Moi, je parlais que FNE a dû voter. Et ça m'a dit, nous ne pouvons pas retourner dans le Psygo encore parce que le ministère de l'Éducation nationale lui-même dit le faire un Psygo. Psygo a arrêté néanmoins un côté, pas une école nationale, mais un côté que le ministère a estimé qu'il y a une importance. L'État n'a pas capable d'acheter des bâtiments dans le même monde. L'État n'a pas capable de payer tout l'école qui va exister quand même. Et puis nous concentrer l'argent, nous voulons l'argent côté petit monde. Je veux une éducation vraiment. Ça, pour raison pas maintenant, ou bien démarche pas maintenant, c'est que FNE a arrêté. Maintenant, nous créons l'autre taxe pour gagner plus de comme qui est dans la FNEA et qu'on a l'État commencé à nationaliser l'école. L'État est dans la logique, non seulement nationaliser l'école communautaire, mais nationaliser l'école privée, parce que l'État, toute l'école c'est pour l'État. Toute l'école c'est pour l'État. En principe, Et si toute l'école pour l'État, donc l'État a une intervention pour toute l'école. Donc l'école qui n'est pas non, nationalisée, attendez, vous voulez dire l'école qui n'est pas l'État. nationalisée, l'État a subventionné. Et que l'État a une supervision et un contrôle des subventions ça, les bails à l'école ça. Donc, Nous ne sommes pas obligés de retourner dans la question acheter éducation dans l'école qui va même répondre même. Côté, on va quand même enseigner bête patate de vérité, c'est la team Nochita pour prendre l'éducation. Donc, nous devons tout profiter de l'occasion ça, et qui va à ministre Dawson bail là, camper le programme, non? On évalue le programme qu'on est là, on entre dans la logique de nationaliser l'école communautaire, et ensuite de subventionner des écoles qui existaient déjà, ou bien on construit l'école. Parce que chaque section communale, au minimum, doit supposer gagner de l'école nationale. Avec professeur qui travaille Avec, oui, là-dedans. voilà, avec Ah oui, mais professeur, faut que nous évidemment, évidemment. Il faut que nous produisions des Même parler maîtres au de même l'école, rythme que nous avons même parler construit de l'école. l'école, même parler de l'espace physique. Tout à fait. Ce sont des écoles qui répondent à toutes conditions. Donc, c'est par rapport à ça, et je pensais que le travail sénateur Kélibassien hein, permet que l'État, ou bien la loi, exigeait qu'il n'y ait pas tout pays par un haut, mais le problème n'est pas résolu vraiment. Problème accessibilité éducation pas résoudre. Parce que pour le problème de résoudre, il faut que l'État prenne en charge et faut que nous pas payer pour timon à l'école. Et donc pour timon pour pas payer pour timon à l'école, il faut éducation de qualité, mais il faut le disponible pour que les parents eux-mêmes Mais les jeunes. est-ce que ce Abdi-là, papa, est un projet qui est beaucoup trop ambitieux par rapport à ce qu'on t'a expliqué là? C'est pas trop ambitieux, attendez, c'est pas trop ambitieux. Professeur, pas qu'à Attendez, toucher. attendez, attendez. C'est choix nous fait. Dans toute réalité, la vie, c'est choix. Si nous disons éducation en priorité, éducation c'est le même qui est le plus gros par le budget national, là, mais ça va aller à trois petits. Le budget éducation, c'est 11 milliards de gouttes, c'est 17% lié dans le budget national. Là. On gagne 10 milliards pour investissement et 10 milliards pour fonctionnement, pour payer et employer, même parce que c'est peu de choses, ça. C'est peu de choses. Donc, il est évident, nous devons augmenter le budget. Non? Et l'augmentation du budget, on parle fort. D'abord, ce n'est pas mettre mes professionnels en classe, non? C'est d'abord une politique de formation des maîtres. Il faut qu'on forme les gens. Parce que pas qu'on marche, on n'est pas de côté. Il n'y a pas de monde qui compte si supervise, est-ce que la formation est allée, ok. Il n'y a pas de monde qui évalue, il promettait. Non, même parce que ça, il est entré dans défaillance, dans régression qui gagne au niveau du système éducatif. Ce n'est pas que le projet est ambitieux, ce sont des décisions politiques liées. Constitution, nous devons appliquer, nous sommes attachés à elle, parce que. Président, vous avez serment sur la Constitution. Il n'y a pas de serment pour expliquer la Constitution. La Constitution dit éducation fondamentale. Tout
jeunes haïtiens, tout petit monde haïtien, jusqu'à 9e année. Il doit être gratuit. Mais quel gratuit? Si on moun décide ou même vous voulez payer, si vous voulez payer, mais pour le gratuit, il faut l'école disponible avec des professeurs. Tu mets un petit monde, deux petits monde dans la section communale qui doit aller à l'école. Quel est ta méthode d'école pour l'école? Parce que je ne connais qui monde citoyen ça va aller. Si vous battez l'école, si vous battez l'école. Si le président Justin Privé bat l'école, comment il a fait le président? Donc, Fonbay, chaque petit monde haïtien, chaque enfant, même capacité, même possibilité pour réussir. Nous pas capable de faire. Mais si nous gardons quelques dispositions dans la loi sur le scolaire là, à qui ça nous doit attendre nous? Alors, la loi dit frais scolaires ou bien frais ou contribution frais annuel là, pas de dépasser. Si c'est dans kindergarten, il va de dépasser deux mois à l'école, la scolarité. Si c'est dans au niveau fondamental et secondaire, il va de dépasser 3 mois. Donc, je pense que pas de problème. Mais quand il y a là, parce que ne peut pas augmenter, pendant qu'il diminue vraiment, mais augmenter la salité. Donc, tout ça, c'est déjà moins doux que seule réserve, loi est correcte. Nous avons toujours passé, mais nous avons toujours amendé. Mais cependant, l'application de loi va poser problème. Pour que cette application va poser problème, c'est que moi pense, d'abord, je demande pour payer 50%. Dans l'article 3, je demande pour payer 50% des frais annuels. Premier dépôt pour faire. Et bien, si vous payez 50% pour les premiers dépôts pour faire, est-ce que les parents ont besoin de 50% pour payer? Parce que des fois, on a dit que l'école, qu'on prend dans les gens au Kabaïli. Mais qu'on est là, est-ce que ça va le faire? Et loi tout le dit, les retirer frais et sous question de réinscription ou bien pour qu'il me place Timon dans l'école là, il faut repayer un frais. Et je pense que nous avons seulement pour question confirmer. Confirmation de place, oui, question. Oui. Et l'école qui a payé en américain, tout ça, non, la loi non, interdit. L'école en Haïti payé avec monnaie nationale, qui c'est good. Et loi claire sur ça. Et ensuite, on pas gagné pour payer une réinscription pour Timon, seulement gagné pour signer un contrat. Qui est Timon Abouta. Mais faut que tu aies association parent. Non, mais gagne. Léolito, qui est là, et il y a un syndicat autour qui doit accompagner par un syndicat professeur, Inoye, CNIH. Ouais, bien, et il doit accompagner par un, et je pense qu'il y a des batailles, on va le faire. Mais qui ça, ça dit, Kitel Jean-Philippe, selon même, qui ça t'a empêché que. Loi ça qui a voté depuis en 2009, c'est qu'on y a. Attendez. Je te dis un barrage à l'heure, je te dis que l'école n'est pas un business. L'école est un service social. Il y a des gros intérêts qui sont en jeu. Il y a des gros intérêts qui sont en jeu. Et parmi les intérêts, c'est. J'aime dire, c'est l'exploitation qu'a fait de parents. Des exigences au fait, ou payer un frais annuel, mais par contre, qui ça frais annuel à régler? Par contre, qui ça le fait? Il fait payer sport, par exemple, même terrain de jeu. Il fait payer informatique. L'arrivée pas gagner laboratoire informatique dans l'école là. Bon, dans la loi, elle définit spécifiquement qui s'accorde là de faire. Et la loi tout, elle dit que l'école qui a vendu uniforme, toile pour uniforme, elle doit gagner pas tant de DGI parce que son business y est. Même parce que là, c'est un problème qui résout parce que soit vendre uniforme ou dans business, mais l'État doit prendre taxe et ça. Et je pense là, en grosso modo, la loi est capable. Permettre que les parents soient soulagés. Mais la raison qui fait la loi pas publiée, c'est qu'il y a des gros intérêts et il n'y a pas de marge de manœuvre pour normalement. Tu as parlé de service l'école, je vais toujours prendre ça pour une blague. Mais il montre dans qui est le système, c'est l'eau passe devant l'école et puis il dit collège tel monde. On dit collège qui est tel Jean-Philippe, terrain de sport, salle informatique. C'est comme si ce n'est pas le service qui doit être dans toute l'école. Alors, même par exemple, mon proposition de loi qui est en préparation, c'est peut-être de démarquer et la natation de sa l'éducation sportive là, parce que l'éducation sportive là. Parce qu'il y a un débat qui est important dans la loi, ça m'a fait, c'est la natation obligatoire dans toutes les classes en Haïti, parce que au pas sont ils. Sont ils quand même. Par contre, petit monde pas qu'on nage. Moi, je travaille sur ça déjà, mais parce qu'il prêt. Mais infrastructure pour faire là. Et... Non, mais attendez. Bon, bah, alors, ça tout pose problème, oui. Environnement, l'école. Tout à fait. Et ça m'a dit tout, parce que l'école a de pratique. Et nous devons gagner un cours. Et je commençais à parler avec l'ingénieur Claude Petit sur les catastrophes naturelles. Qui doit son cours qui est enseigné de façon obligatoire dans les écoles en Haïti. Dans la mesure où, qui comportement de gagner, il faut apprendre
si nous nous adapter à la réalité ça. Parce que nous exposés à toutes sortes de catastrophes naturelles. Pour qui ça? Par un côté, nous apprendre mon comportement de gagner et comment pour même construire cale et tout. Parce que négligence qui fait que nous n'a pas respecté des marches, mais la loi qui dit mais qui j'aime pas la construire. Il faut gagner un plan déposé dans la mairie. Il faut que service génial, supervisé, fait études topographiques, fait tout le bagage, des plans qu'elle a. Et si qu'elle a répondu avec une norme. Il faut qu'on ait payé droit de construction. Donc tout le bagage, ça pas fait parce que éducation mon lieu manqué fait. Ok, mais en nous, parce que en nous regarder, où c'est président de la commission éducation. Mais on a l'impression que nous, chita plus sur éducation, ça y est, l'école classique là, que nous gardons formation professionnelle. Alors, ma bonne information, c'est que mardi prochain, nous gagnons une loi qui devant nous sur la modernisation de la formation professionnelle. Rapport présenté, loi ça a dit au 10 jours pour les passer. Moi, pas d'ailleurs, je suis un président de la commission qui a en pleine importance à la question de la formation professionnelle. Et je salue le député Gangouavla, Jean-Marcel Lemeran, qui est dans l'affaire sociale, mais qui dit que la question de la formation professionnelle concerne une question sociale liée et tout. Il voulait travailler avec moi, je salue ça, je pense que c'est important. Et non, nous ne pouvons pas négliger. Au contraire, nous recevons un peu de partenaires. Et moi-même, j'ai moi assisté à une retraite que l'INFP a réalisé, côté que le problème est posé. Et moi-même, j'ai moi, porté contribution par la construction de l'école professionnelle. J'appelle nous gagner l'école professionnelle qu'on a construit. Il y a notre collègue député, moi accompagné, qui a du travail à faire pour que la CAIO gagne l'école professionnelle. Mais je pense que la formation professionnelle est importante et c'est un élément fondamental dans le développement du pays. Pas qu'on néglige, nous avons été attachés avec lui. Et au niveau des chambres députées, il y a tout une commission qui est la commission enseignement supérieur et recherche. C'est l'année passée, nous entrons dans la 50e, nous mettons pas de gain. Donc, commission là. Il est là. Des fois, il y a une commission Bachaï. Non, il est là. La commission là, il y a une loi devant, une loi cadre pour l'université, elle travaille sur lui. Parce que l'année ça, la loi ça doit passer parce que son loi. Qui est déposé depuis sous ministre Nespi Maniga. Mais concernant la loi sur qu'est-ce que là même est-ce que en dans commission nous gain séance de travail nous prévoit sous lit est-ce que nous prévoit alors amendement baou réserve et me dit puis que là c'est que loi il était là dans le tiroir aucun monde pas osé publier le président privé publié ça c'est à saluer c'est à encourager effectivement nous va travailler avec consultant nous sous loi depuis demander un amendement n'a fait amendement pour mettre que loi doit résoudre le problème faut résoudre le problème. Si y a un amendement demandé pour plus à résoudre le problème pour la communauté, nous sommes prêts pour nous faire et nous allons travailler sur lui prochainement. Grosse recherche que l'ONAP a fait dernièrement, parmi eux, il y a une qui concernait l'école qui a un statut international. L'école ça a échappé totalement à contrôle de l'État. Il n'y a pas même une accréditation du ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que ça a été mis sur le bureau? Est-ce que nous travaillons sur le Alors. Je t'ai invité, directeur ONAPEA, accompagné des ministres, parce que le directeur va rentrer directement au niveau du Parlement. ONAPEA, c'est une structure que la société apprécie pas qu'on est. Oui. Alors que c'est une structure qui est là, qui a pensé, qui a géré les relations entre ministères et partenaires internationaux, qui a fait des études pour ministères et est capable de progresser. Mais pour connaissance de lui, nous pouvons réagir parce que nous étions en vacances à l'époque que l'étude était faite. Mais le document il est là, il est disponible pour moi. Étant donné que nous reprenons le travail, nous avons bien pour nous rencontrer avec ONAPE encore pour nous regarder ça. Mais je pense que c'est déplorable. Là encore, c'est comme si nous avons dit que c'est l'espace géographique qu'on a utilisé, mais l'enseignement, l'éducation qu'on a là, il n'est pas répondre à ça. Et par contre, l'école qui est sous territoire passe sous contrôle du ministère de l'Éducation nationale. Son anomalie liée, nous devons corriger et nous rencontrer avec l'autorité qui concerne pour nous faire avancer. Et je pense que. Travail au NAPEA, il dit nous des bagailles. Et généralement, l'école, ça, c'est pas un petit étranger seulement là-dedans. Il y a un petit haïtien qui est dans l'école, ça, qui a pris un mode d'éducation, ça. Qui par contre, rien à réalité pays. Donc, nous n'avons pas formé sur le territoire haïtien des évadés. Je pense que c'est une anomalie qui mérite des corrections. Et très rapidement, nous avons pris un travail au NAPEA pour nous bien imbiber de la question et puis pour avancer sur ça. Alors, tellement, il y a un problème qui est tel, Jean-Philippe, non. Vraiment pas qu'à aborder tout ça et noter de parler. Est-ce que vous avez une question ou estimez que nous pas parler? Alors, il y a un peu de questions nous pas toucher. Nous pas toucher
Question universitaire, il y a un peu de problème dans les questions. Non, alors, est-ce qu'il y a une question qui t'est préoccupée ou estimée que nous parlons? Parce que nous, en grosso modo, nous avons tout le bagage. Mais il y a des questions qui peut-être nous pas traitées. Question école normale, nous pas traitées. Non, du tout. Et nous n'avons rien comme ça, parce que l'école normale, une situation déplorable, pas gagner espace là pas bon, et ils ont terrain pour acheter terrain pour j'en finir acheter, gagner Japon qui prêt pour le banon. Non mais ce n'est pas l'école normale, c'est toute l'université. Non mais c'est quoi, mais pas l'école normale là, parce que il y avait des champs de travail moins, et nous pas résoudre problème professeur qui pour nommer et que son budget d'éducation doit réviser, donc je pensais qu'il y a des travaux, il nous manque yo de façon rapide, en grosso modo même pas entrer. Mais parce que nous dit l'essentiel. En tout cas, pour toute question, ça n'a pas touché. Le peuple a suivi vous. Moi, je vais mettre mon travail pour deuxième année. Vous espérez que vous pouvez parler de cause de ça dans la chambre non? Et exactement. Avec autorité. Exactement, moi-même, c'est la responsabilité. Moi, là pour me défendre l'intérêt de la population, l'intérêt de la collectivité. Moi, là pour me travailler pour gagner une amélioration et que pour l'école, non seulement accessible, mais pour l'école, lui-même. Des qualités pour la jeune citoyen haïtien. Parce que nous ne sommes pas capables de former des ratés. Des gens ne peuvent pas faire confiance et ne peuvent pas continuer à craser ces velles timonies. Et Haïti, c'est un pays qui détruit jeunesse là. Et un dossier, peut-être que je pense que c'est un dossier phare, c'est déperdition scolaire. C'est déperdition scolaire. Moi-même, comme professeur, je suis dans l'école, j'ai deux classes 7e année, je fais cours pour 100 élèves à 50-50, il y a 17 qui viennent à philo. Dans même l'école là. Donc, je fais qu'on a fait le tout, mais là, je viens de faire le tout. Mais 17 qui sont dans la 7e année, qui t'arrive, je me compte là, tu passes. Donc, ensemble des teams qui ont quitté l'école en route, qui n'ont pas fait étudier, donc ça. Et qui n'ont pas même réorienté vers les programmes. Évidemment, évidemment, évidemment. Donc, c'est autant de problèmes que nous allons toucher, même parce que ça, c'est un problème même des pédagogies scolaires. Et l'approche pédagogique en Haïti, comment ils enseignent les teams? Est-ce qu'ils enseignent les méthodes nous utiliser? Est-ce que nous la question de la langue. Évidemment, mais la question de niveau secondaire sont une catastrophe, oui. C'est une catastrophe. Je vais l'expliquer. Le ministère a dit que nous avons un niveau secondaire le généralisé. Alors, ce qui est un paquet de coûts, pas de monde pour faire couillot, pas de matériel pour faire couillot. Par exemple, il faut nous enseigner l'économie, l'initiation à l'économie. Histoire de là. Créole, pas de monde qui a fait couillot. Si nous avons supposé qu'il y a 14 coups, à peine il y a 9 coups à 10 coups à suivre. Alors, ce qu'on parle, il faut une évaluation pour lui dans l'examen officiel, dans la secondaire 4. Nous posons des problèmes dans le ministère, des problèmes n'ont pas résolus. D'ailleurs, il faut gagner capacité. Et là encore, il faut nommer professeur pour le monde. Parce que là, pour un économiste, on dit qu'il faut une initiation à l'économie, mais il faut payer. C'est là. Bien sûr. Il faut payer. Donc, c'est autant de problèmes que donc, un pile bas, nous pas dit. Merci un pile qui était Jean-Philippe qui t'a passé jeudi à un point par point. C'est un peu plaisir de nous recevoir. Et merci tout le monde qui t'a suivi l'émission. Jeudi à nous chita sous cause éducation. Nous avons qui importance éducation gagne dans la société, mais nous avons qui va les problèmes qui gagne dans le système. Nous avons espéré l'émission ça, tu l'ouvri jour sur quel problème et l'été qu'à sensibiliser pour agir bien comme citoyen. Merci parce que tu as suivi par rapport à sur Télé-Pacifique. Nous avons croisé encore.